Kayam FM. Kayam FM. L'ambiance était à la. Kayam FM. L'ambiance l'était à la même sur Kayam FM pour ce jeudi soir. Bienvenue dans l'émission Tropical Night Live Tour. T'es venu de compte, on retrouve Azote ce soir. Ah, comment il dit, Dany est toujours dans la place. Mais j'espère que ça allait bien, moi il est bien, merci. Vas-y, l'ambiance l'était la même sur Kayam FM. En plus, c'est la seule radio. Il fait monte Azote. Quel côté branche, il charge. Quel côté il arrache et quel côté il fait cuit. Allez, mais rappelle Azote quand même la fréquence de Kayam FM pour ce jeudi soir. Pour ceux qui nous écoutent actuellement, 106.9. Également donc pour les personnes qui sont sur la route. Prudence, hein. Et les cases dédiées, vos cases dédiées, ça se passe dès maintenant sur le 06 92 17 08 62 06 92 17 08 62. On démarre toujours cette émission avec plein de cadeaux et notamment des cadeaux à gagner, notamment 1000 euros cash. Oui, 1000 euros cash à gagner pour ce jeudi soir jusqu'à 21h10. Voilà, donc il faut envoyer le mot cash par SMS au 80 90. Donc voilà, si ça tu veux jouer, si ça tu veux tenter de gagner 1000 euros cash ce soir sur Kayam FM, c'est 1000 euros cash, presque un salaire, tenter de gagner 1000 euros, oui, 1000 euros. Il vous suffit d'envoyer le mot cash par SMS au 80-90. On y va du côté des cases dédiées. Hein. On salue quand même Lumi. Ouais, c'est un mur lumineux. Mur lumineux. Oh, comment il est? Ça va, il est bien? Moi, il est bien, merci. Les amis, comme ça, il y a sa nièce qui écoute. Et Sloane et Lola également qui nous écoutent actuellement sur le www.tropicalnight.re ou sinon sur le www.kayomfm.re. On aura également donc, Nina Hélène qui nous écoute actuellement. Comment il est Hélène? Au Comoral Sao. Lol. Allez, ce soir, la programmation, oui, le menu de ce soir, bien évidemment. Des cadeaux gagnés. Le rendez-vous jeu, ça sera dans un instant sur Kayam FM. On aura également donc le jeu le Ni Allô Ni Bonsoir, ça sera dans 5 petites minutes. L'ambiance était là. Kayam FM. 5 petites minutes, hein, le Ni Allô Ni Bonsoir, le principe du jeu est simple. La mise à peine des personnes en direct jusqu'à 20h. Et si la personne y répond Allô et Bonsoir, bah, il passe à côté d'un pack cadeau. Et ce soir, Nena, 2 places de cinéma à gagner, plus une pause de vernis semi-permanent. Voilà le pack de cadeaux à gagner pour ce soir. Allez, quand même joli, non? Le pack cadeau à gagner pour ce soir. Donc, la pause Venise semi-permanent chez Ambre Esthétique. On salue quand même Sandra du côté de Saint-Denis. Nos partenaires officiels avec Floria Coiffure, Diaz Junior Gara, en tout cas. Et là, plein de cadeaux à gagner. Donc, dans le rendez-vous jeu de tout à l'heure. À partir de 20h, la rubrique Tropical Girl avec Nana Animatrice. Ah, ce soir, ça fait gay des cadeaux aussi au niveau des, comment on dit, des énigmes créoles. Et là, Hélène nous dit LOL. Kayam FM. Kayam FM. L'ambiance était là. Kayam FM. On salue quand même la fidèle auditrice de Kayam FM, Reine Marie, alias Marie Reine. Ça c'est un pizza ça, oui, il demande une reine, Marie Reine, du côté de Saint-Denis. Elle a un appel à l'île, pète pas le temps. On aura tout vu avec Marie Reine, hein, ou Reine Marie, n'importe quoi. Oh, Marie-Reine, hein? Pète pas le temps, mais bon, hein? Oh, quand même, l'a dit. Elle est là, la petite nièce. Oui, la petite nièce, a dit, elle est contente aussi de faire le petit coucou, tranquille, Emile. Elle dit, merci beaucoup, on n'a pas de problème. Kayam FM. Kayam FM. L'ambiance était là. Kayam FM. Alors, Reine Marie,
moral ça. Lol. Allez, on marque la pause et on revient avec le jeu, le Nialo du bonsoir, en direct à la radio sur Kayom FM jusqu'à 21h10. Oui, 21h10, Mounoir. Bah oui, il fait 10 minutes en plus. Et 10 minutes en moins, non, il fait une heure de temps quand même. Hein. Allez, à tout de suite sur Kayom FM. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Nights. Ambre Esthétique Évasion Coiffure vous propose l'amincissement par la photomodulation. Besoin d'un moment de détente, de se libérer du stress de la semaine pour vos épilations, les soins du visage, les modelages du corps, soins des pieds ou des mains. Spécialiste des maquillages de mariée et divers soins esthétiques, Ambre Esthétique Évasion Coiffure vous accueille. Pour plus de renseignements, contactez-nous 0692 72 23 41. 72 23 41. La résidence hôtelière L'Archipel vous accueille au cœur de son oasis. Avec ses 66 studios et duplex de 1 à 5 personnes équipés de kitchenettes. Avec une piscine de 350 m², venez profiter des formules journée détente, en famille ou entre amis. C'est aussi un brunch, un dimanche sur deux. Soirée karaoké, cours d'aquapalme, animation enfant pendant les vacances et plein d'autres surprises. Pour toute demande, un seul numéro, le 02 62 24 05 34. 02 62 24 05 34. Les bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas, avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques, à 42,50€ seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Kayom FM à Sainte-Marie. 106.9 FM. 106.9 FM. Tous les jeudis soirs, de 19h à 21h, préparez-vous à vivre une expérience unique. Une expérience unique, c'est-à-dire le jeu le Nialo ni bonsoir ce soir sur Kayom FM. Le principe du jeu est simple, la mise s'appelle des personnes en direct à la radio jusqu'à 20h et si la personne répond à l'eau et bonsoir, mais il passe à côté d'un pack cadeau. Alors, en plus c'est la fête des mères qui arrive, hein. On profite hein, pour ceux seuls qui écoutent la radio en ce moment. N'hésitez pas, n'hésitez plus à vous faire plaisir sur les 06 92 17 08 62 pour vos cases dédiées. Et nous sommes du côté du standard, on appelle Lucette, du côté de Sainte-Marie. Le numéro, oui, bon, on dirait, hein. Oui, effectivement, madame, c'est un mauvais numéro. Ça, c'est le mieux lumineux, ça. Ah, elle est trop lumineuse pour moi. Allez, nous sommes revenus, ça va sur le standard. On appelle Lucette du côté de Sainte-Marie. Là oui. Allô? Allô, quel dommage, bonsoir. Bonsoir. Mais il est bien sur le portable de Lucette? Non. Ah bon, c'est pas Lucette? Oui. Non, c'est pas Lucette. Si, si. Alors, c'est Lucette, c'est ta maman ou pas? Oui. Non. C'est qui? Alors. Je passe par nous. Allô? Allô? Bonsoir. Oh oui. Ah, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, bienvenue sur le portable de Lucette. Oui. Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission, on est bien? C'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission.
Dany. Oui, Dany, Dany. Vous connaissez pas Dany? Vous connaissez Dany, le frère Paul? On ne connaît pas... Alors... Alors, Lucette. Mais je ne comprends pas où trop, là. Alors, il faut cause bien de téléphone. Ah oui, il y a un temps maman. Bah oui, tant qu'à faire. Hein? Ouais. Bon, allez. Là, où il est tranquille, là où il est bon. Bon. Là, on est bon, là. La Lucette, là. Là, elle est bon, là. Il manque un petit sucette. Ah, Lucette, bon. Là, lui, elle est grave, là. Bon. Hein? Oui. Bon, alors, Lucette. Mais alors, on connaît pas que ça m'y est. Fontaine? Hein? Bah, pas Fontaine. Ma fille, comment il dit? Ma fille, ben oui. Non, alors, c'est Daddy de Tropical Night Dive Tour Mission, mais il appelle pour une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah bon, et alors? Alors, qu'on veut savoir, la bonne ou la mauvaise en premier? La mauvaise, bon. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'était le jeu le ni allô ni bonsoir, et malheureusement, on la répond à l'eau, et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc un pack avec une pose de vernis semi-permanent chez Ambre Esthétique à Saint-Denis, plus de places de cinéma. Voilà, donc malheureusement, on passe à côté. Mais tant mieux, j'ai pas envie non plus. Ah, vous l'avez pas envie? Non, mais. Oh. Et vous savez la bonne nouvelle? Tout ça, moi. Ah. Et vous savez la bonne nouvelle? Oui. Bon, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde est en haut, nous l'est en direct à la radio sur Kayam FM ce soir. Voilà la bonne nouvelle. N'importe quoi. Bah, n'importe quoi. Allumont Radio, 106.9, du côté de Sainte-Marie. Allumont Radio. On va voir si c'est n'importe quoi. Pardonne-moi, Ah, mais les vrais Midiao, Allumont Radio, ouais. Allumont Radio, c'est 106.9. Ah, 106.9, Allumont Radio, ouais, je crois pas. Alors, je crois à moi ou dans moins 5000 euros. Alors, d'avoir c'est là. Bon. C'est quelle chaîne ça? 106.9, Kayam FM. Ah, Kayam FM? Hein, vous connaissez? Oui, mais il ne connaît pas trop la radio. Oui, passe en mode bonhomme. Allô? Oui, allô? Comment il est? Vous bien? Oui. Oui. Alors, nous les... Hein? C'est qui vous? Ah, moi, c'est Dany de Tropical Night Live Tour Émission. Nous l'aurons en direct à la radio sur Kayam FM ce soir. Voilà, c'était jeu, le ni allô ni bonsoir. Ah ben... Ben vous jouez là, comment il y a donc là? Ben nous l'avons en direct donc... Hein? Donc ben nous l'avons en direct donc c'était le jeu le ni allô ni bonsoir et vous n'avez pas rien parce que la répond à l'eau. Oui alors... Hein? Oui mais écoutez où là? Ben voilà donc nous l'avons en direct à la radio et ben quel dommage ou la pire tout forcément. Ben si vous m'appelez ma pire, rien j'en reviens là. Ben oui voilà. comment on appelle? Hein? Comment vous appelez-vous? Ah. Moi, il y a pas le Cazo, moi, Paul. Cazo. Cazo. Bon, Cazo, est-ce qu'on a des petits messages fait passer en direct à la radio ce soir? Vraiment, ben, m'a pas un bon message, mais donne-toi le bonjour si j'ai moyen, écoute à moi. Oui, ben, bon, ben, nous donne bonjour, peut-être pas, mais bonsoir, oui. Oui, bonsoir, ben. What's the cadeau, là? Comment? Allô? Oui, allô. C'est cadeau, mais je crois pas tout ça, moi. Ah bon? Bah, on peut mettre la fréquence. Non, sans... mais... On peut mettre 106.9. Nous, là, en direct, la radio, je crois pas. Voilà. Non, pas mettre télévision, là. Ah, c'est pas télévision, hein? C'est radio. Radio. Quand même. Bon. Allez, ben, nous retrouve, alors. Il y a tellement de fraudeurs, moi, là, je connais. Ah bon? Ah. Bah oui, bah. Là, sur les mêmes petits radios d'autres cases, mettre 106.9. Kayam FM. C'est bon? 106.9. C'est bon? Attends, Marseille, ma voix, c'est vraiment. Bah, ou essaye, après, ou rappelle à nous. Ben non, mais tu me rappelles, dis-moi. Hein? Non, bah, alors. Ou ça, essayez tout de suite, ou là? Mais, allô? Oui, allô? Oui. Mais 106.7. 106.9, hein? Pas 106.7, quand même. 106.9. Ah. Ah, le temps que... Parce que, ben, n'y crois pas, moi, que nous l'on direct à la radio ce soir. alors, je rappelle quand même que tout à l'heure, à partir de 20h, justement, donc la rubrique Tropical Girl, et ce soir, on est là, 1000 euros cash à gagner, oui, 1000 euros cash à gagner ce soir. Ah, ben, eh bien.
Ah, si ça tu veux jouer, il faut envoyer le mot cash par SMS au 80-90. Alors, on l'a trouvé la fréquence ou pas? Pas trouvé, ou pas? La trouve pas, ou trouve pas? Non, non. Aïe, 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 FR, radio alors. SR. Hein? C'est pour chercher. 106.9. 106.9. Le temps que... Hein? Allô? Oui, allô? Ah, tout le monde y croit, tout le monde y entend, non, non? Bah oui, tout le monde... Ah, on l'a écouté, là? Non, bah non, dis-moi, attends, on va t'en dire. Alors? Attends. Bah, il est où, bon, d'accord. Ah, bon, bah, quel dommage, alors, peut-être. Peut-être qu'il ne pas là-bas, hein, mais bon, voilà. Est-ce qu'on a des petits messages, non, la pointe? Bah, le message, c'est comment, la vidéo, tout le monde est bien. Bon, bah, allez, bon, pas de problème, allez, nous retrouve. Allez. Allez, ciao, bye-bye. Allez, nous recevons sur le standard de la radio. Alors, qu'est-ce qu'on appelle ce soir? On appelle Aurélie du côté de Saint-Denis. Allez Aurélie du côté de Saint-Denis, est-ce qu'elle est dans la place ce soir? Aurélie Jagar. Aïe aïe aïe, comment il fait là? Bon, allez, nous passons de l'autre côté. Elle s'appelle Sophie du côté de Sainte-Suzanne. Oui, allô. Allô, quel dommage, bonsoir. Bonsoir. Mais elle est bien sur le portable de Sophie? Oui. Oui, Sophie, c'est dernier de Tropical Night Live Tour émission, vous l'êtes bien? Ça va et toi? Ah ça va, mais il est bien meilleur, si. Bah oui, mais essaye d'imiter, mais il gagne pas, tu vois, mais bon, mais essaye, mais bon, hein. Là, dit toujours, il faut essayer toujours d'imiter, sinon les piègues. Bon, Sophie, est-ce que vous connaissez pourquoi on m'appelle à toi? Du tout. Du tout? Sérieux, là, pas une petite idée quand même? Ben non. Aïe, aïe, aïe. Bon, m'appelle-moi parce qu'on a une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Pourquoi enfin, m'y commence? Pas la mauvaise. Ah, pas la mauvaise. Alors, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le ni allô ni bonsoir.
D'accord, elle répond à l'eau et malheureusement, ou la PL ou passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc une pause de Vianney semi-permanent chez Ambre Estética à Saint-Denis, plus de places de cinéma ce soir. Voilà, malheureusement. D'accord. Voilà. Et la bonne nouvelle, vous savoir? Ben oui. Nous l'avons en direct à la radio sur Kayom FM ce soir. Voilà la bonne nouvelle. Tout le monde y entend où? Ah, mais les super, quoi. Ah bon? Les super? Pourquoi les super? Comment ça se fait bien Pelo? C'était le jeu le dialogue du bonsoir. En direct à la radio sur Kayom FM. Non, mais les numéros, c'est un numéro au hasard. Non, c'est pas un numéro au hasard. Là, je Dina par SMS hier 15/05/2019 à 9h40 et 09 secondes. Ah d'accord. Dina par SMS au 80/90. Ok, ben merci beaucoup. Attends là, où ça va déjà? Où les fâchés ou quoi? Non. Non, on veut pas cause en direct à la radio, mais quelqu'un ça dire chante un petit mot, sauf moi. Allez, chante comment on se souvient. Je sais pas. Ah, mais une petite idée. Alors comment on râle ça ou? Alors, certains petits morceaux, comment on râle ça? Pourquoi? Mais t'as là ça manque un morceau et là vous n'avez pas chanté. Oh. On a tout payé, oui. Punaise le rire. Lol. Allez Sophie, chante un petit morceau pour nous. Hein? Ah bon. Vous aimez pas chanter? Ma honte. Hein, ou la honte? Hein, comment il dit ma fille? Ben oui. Bon, alors, Bélès, vous me donnez la chance ou pas? Ben, pourquoi pas? Bon, comme c'est ça, maintenant. Alors, si vous connaissez le slogan de Kayom FM, d'accord? Si vous connaissez le slogan de Kayom FM, il va falloir le pack cadeau ce soir. Alors, c'est quoi le slogan de Kayom FM? Ben, je sais pas, KFM. Hein? Kayom FM, la meilleure radio de la Réunion. ça ressemble à un jingle que j'ai déjà entendu. Non, c'est pas ça. Alors, Midiao, hein, mais après, voilà, il faut... Voilà, au moins la prochaine fois, si je me rappelle, là, vous connaissez. Alors, écoute bien, hein, d'accord. C'est pas mal, c'est pas mal à dire, c'est pas mal à faire. Alors, c'est Kayom FM, la seule radio, il fait monter au quel côté mange à l'échange, quel côté yarache, et quel côté fait cuit. Hein? C'est pas même Miguel Zao. Ah non, pas de Massao. Attends, Odo. Ah oui, ça est assez. Oh, voyons, il t'asse pas les animateurs. Hein. Enfin, l'animateur plutôt. Oh. Bon, ben, il m'a mal entendu alors, pour ton mal à ouais, c'est ça, oui. En plus, nous l'en direct et l'enregistrement, l'enregistrer. Voilà. Donc, il va réécouter. Peut-être qu'on a raison, hein, mais bon. Mais bon voilà, moi Mina raison et Mina moi d'avoir raison. Bon Sophie, pas trop déçue quand même pour ce soir? Ben un peu quand même. Ah, ben c'est pas grave. Oh, elle sent bien. Oh. Ah bon. Il a fait comme elle dit, il a fait monter au quelque côté pour un joli George. Exactement. Est-ce que là des petits messages fait passer en direct à la radio Sophie? Ben, je fais un gros bisou à Brice, que j'aime énormément. Ouh là là. Ah qui ça, Brice? Oui, Brice. Alors, Brice, voilà. Donc Brice, si tu nous écoutes actuellement, bah oui, quel dommage. Hein. Mais bon, voilà. Ça c'est l'amour fort. Ça. Alors du coup, c'est quand le mariage? Bientôt, on a dit la demande. Jusqu'à maintenant, bien bientôt de même. Ah, comment il dit, bientôt de même? Non, comment il dit non encore Poitonne? Ma fille. Ben bon, qu'on fait le mariage, oublie pas vite à moi. Mais pas de soucis. Nous l'est à 200 personnes. Hein. Ah ben, il y a que ça même, elle est bon. Ah ben encore, il y a que ça même. Bon, en plus Saint-Suzanne, il habite Saint-Suzanne en plus. Ok. Bon allez Sophie, nous retrouve. C'est bon? Bonne soirée. Allez, nous retrouve, bonne soirée à vous, ciao, bye bye.
Ah, on est dans la fidèle des fidèles qui nous dit... Après, il faut récompenser les fidèles de la radio aussi, hein. Ah, arrêtez un peu, donc. Ah, oh, hein, récompenser. Bah, on récompensera avec deux brinzelles, avec un œuf frites. N'est-ce pas, Marie-Reine? Ça récompense avec un mur lumineux à l'aide de 150 LED couleur rouge, bleu, noir. Oui, il y a le noir aussi, bah. Elle s'appelle Stéphanie du côté de la possession. Allô? Allô? Bonsoir? Oui, bonsoir. Mais bien sur le portable de Stéphanie? Oui. Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission, on est bien? Oui. Ah mon sim, il est bien, merci. Stéphanie, vous connaissez pas quand même pas là-haut? Non, vous connaissez pas. Ah, vous connaissez pas, vous voulez savoir ou vous pas? Savoir. Oui, je veux savoir. Ah, on veut savoir, alors mine une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Bah, en quoi m'y commence? La mauvaise. Alors, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu le ni allô, ni bonsoir, malheureusement, la réponse allô. Et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc une pose de vernis semi-permanent chez Ambre Esthétique à Saint-Denis, plus deux places de cinéma ce soir. Voilà. Et la bonne? Et la bonne nouvelle, nous l'avons en direct à la radio sur Kayom FM ce soir. Voilà. Tout de monde y entre. D'accord. Oui, comment d'accord. Vous hein? Comment vous avez mon numéro? Ben... Quand ça va la galette numéro, le 15-05-2019 à 9h04min48s. Sur le jeu Dina, D-I-N-A par SMS au 80-90. On a été tiré au hasard justement ce soir sur le jeu pour être en direct à la radio pour le jeu Le Nialo des Bonsoir. Tout simplement. Et si m'a été tiré en direct, c'est que m'a gagné le cadeau, non? Ah non, non. Essaye pas ta animateur. Ah, il y a une autre auditrice, une autre personne qui l'a essayé taser, mais il m'a dit non. Ah aussi, il fait pareil? Ah, oh, ça doit mon peau, c'est sûr, même les comme ça. Ah, de mon hein? Dommage alors. Ah bah oui, de mon peau, c'est sûr, les n'a toupé comme ça, donc. Ça joue un la peau comme ça. Non, bah, c'est... Bah non, parce que comme on l'a écrit, la peau, c'est sûr. Non, on va mettre plusieurs O dedans, faut faire avec l'intonation, tu vois. La peau, c'est sûr. Bon, sort de ce corps, Stéphanie, hein, bon. Bon, Stéphanie, pas trop déçue quand même? Non, un peu quand même, mais ça va. Ah, d'accord, un peu quand même. Bon, la prochaine fois, on aura une nuit de telle pour deux personnes dans le tête Dynamo Gabine, que mieux va mettre en jeu. Il va réessayer. Oui, donc, connais, il a essayé, c'est un groupe, ça. Mais n'a réessayé, non. Mais il a essayé, c'est un groupe, mais n'a réessayé, non. Bon, vraiment, pas grave. Ah, ou t'es, ah, ou y'a m'cache qui vraiment, ouais, Stéphanie. Ah, ou l'est pas possible, ou l'est pas possible, Stéphanie. Ah, hey, mais l'a bien tombé. Hein? Il l'a bien tombé. Ah, comment, hey, comment il chante la chanson de Max Lorette, hein? Comment il dit Fanny, diamant qui s'en ah, a. Non, bah, hey, il est bien ça. Il aime bien, moi. Ouais. On entend pas trop, moi. Hein? On entend pas quoi? Mais on entend trop chanson là. Après ah. Qu'elle soit de Mouni, connaît quand on vient, t'as le chanteur pour moi. Bah elle est bon ça, Fanny. En plus, Mina Jolie, voix, il passe, non? Ah, ça c'est vrai. Ah, en plus, c'est même Mina Jolie, voix quand même, hein, c'est sympa. En plus, aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
Ah ouais, bon anniversaire. Ah merci, mais c'est, c'était hier, mais c'est pas grave, m'y prends quand même. Allez, ben justement, chante un joyeux anniversaire pour moi alors. Hein? Chante un joyeux anniversaire pour moi alors. Joyeux anniversaire. Ah ouais, la gauche fait mal. Ouais, c'est... Ah, se demander pourquoi de gauche fait mal. Ah, Stéphanie. Il peut poser une question? Oui. Ah, oh, comment on râle ça? Oh. Vous êtes bonne humeur. Ah ben que veux-tu, c'est l'émission Tropicana Live Tour, hein, c'est le jeudi soir, elle est comme ça sur la radio. Hein. Ah ben oui, hein, l'émission la plus... Comment on dit l'émission complètement barjou? Même l'animateur est complètement barjou. Alors... Allez, Nina, une auditrice. Léna, une auditrice, elle dit tous les jours de l'anniversaire à Omren Marie, n'importe quoi. Hein. Reste là-bas sous dron. Donc t'as pas voulu menteur alors? Quand même, Stéphanie, n'importe quoi. Mais pas menteur, moi. Oh. Ah, on m'a mis les francs. Je suis pas menteur, moi. Stéphanie, bon, alors. Oui. Mais là, c'est une dernière chance quand même. D'accord? Bon. Oui. Ok. Est-ce que vous connaissez le slogan de Kayom FM? Non. Aïe, aïe, aïe. Quoi, si tu connais ou tu donnes à moi? Bah oui. Ah, vous déconnez, ouais. Ah, mais déconnez. Ah, on me déconne. Ah, Stéphanie, on me déconne. N'importe quoi. Non, mais déconne pas là. Non, sérieusement, si vous connaissez le slogan de Kayom FM, mais donnons-le pas cadeau. Hein? Mais m'y connais pas. Ah bon, alors, on m'a mis dehors le slogan, mais la prochaine fois, s'il me rappelle à où, peut-être le hasard fait bien des choses, hein. Donc, on sait jamais. Okay. Bon, voilà. Écoute bien, hein, d'accord? Alors, okay. Kayom FM, c'est la seule radio, il faut monter au quel côté Brinjali-Charge, quel côté Yarache et quel côté Fécuit. C'est ça, mais t'es connu en plus. Ouais, c'est ça. Les longues, hein? Oui, tout. Mais Mimi te connaît vraiment plus. Ouais, bien sûr, oui, c'est ça. Mimi vient d'inventer, on connaît. Ah, moi, t'es où? Non. Ah, Mimi vient d'inventer, on connaît. Ah, Stéphanie, n'importe quoi. Ah, les vrais, ma offre. Bah alors, pour cas de consolation, ma faute de Brangel avec un œuf frite. Viens pas de frites? Non, non, mais tout. Ah, viens tout à l'heure. Ben, les bon, comment faire de manger, j'ai mis mon au midi comme ça. Ah, oh, comment on râle ça? Les bon, bon, faudra m'y rappeler en rentaine pour voir comment récupérer tes deux brangelles. Pas de souci. Après, Mino va faire une petite photo ensemble et... Il doit bien passer, hein. Stéphanie avec deux brangelles. Du côté de la possession. Bon, Stéphanie, pas trop déçu, inquiète pas, voilà, ce sera pour une prochaine fois. Est-ce qu'on a des petits messages à faire passer en direct à la radio? Un gros bisou à mon chéri. Ah. Ah, rien que ça même, l'animateur compte du beurre alors. Il pas la radio. Ah, l'animateur compte du beurre. L'animateur compte du beurre. Il compte pas plus du bleu, mais comment c'est, elle voit. Ouais, ouais, l'animateur compte. Mais c'est du bon beurre, hein, mais c'est pas du miel là. Moi c'est sale tout plein. Ah, moi c'est sale complet. Comme du pain complet. Voilà. Stéphanie, ben nous retrouve, hein, peut-être une prochaine fois. Hein? Ok, pas de soucis, mais allez, on va jouer. Allez, nous retrouve. Ciao, bye bye. Allez, bye. Allez, 19h49 minutes sur Kayom FM pour ce soir. Nous continuons avec les appels en direct pour le jeu Lagnalone. Bonsoir. Allez, nous sommes du côté de Saint-Louis. Appelle Olivia. Dans le jeu, le dialogue dit bonsoir. Thank you.
Allô. Allô, quel dommage, bonsoir. Bienvenue sur le portable de Olivia. Oui. Oui, c'est Dani de Tropical Night Live Tour émission, on est bien? Oui. Ah mon c'est bien, merci, même si je demande pas moi, elle est pas grave. Hein? Olivia, est-ce que tu connais pourquoi m'appelle à toi? Non, pas du tout. Non, on veut savoir pourquoi m'appelle à où? Bah oui. Mais on sait jamais, peut-être tu vas raccrocher de mon nez. Hein. Mais bon, elle pas grave. Alors Olivia, maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Par quoi m'y commence? Bah comme vous voulez. Ah moi non, ben à où vous voulez savoir quoi à où? Allô. Oui allô. Oui. Oui bonjour, mais bonsoir. Alors c'est qui à l'appareil du coup? C'est qui ça? C'est Dani de Tropicana Live Tour Mission. C'est qui maman? Alors, donc, c'était le jeu, le Nialo des bonsoirs. Nous l'avons en direct à la radio sur Kayom FM ce soir. Malheureusement, bah, Olivia l'a répondu à l'eau. Et bah, il passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc une pose de vernis semi-permanent chez Ambre Esthétique à Saint-Denis. Et deux places de cinéma. Allô? Ben, je ne me rappelle pas d'avoir joué ça, donc du coup, c'est pour ça que je trouve un peu bizarre. Allô? Oh oui, alors là faut qu'on se bien dans le téléphone parce que nous on est en direct à la radio ce soir. Allô? Vous m'entendez? Oui, voilà, donc vous l'avez compris le concept? Oui, mais j'aimerais bien que Ben ne rappelle pas d'avoir joué, donc du coup il comprend. Vous rappelle pas d'avoir joué. En fait, vous avez joué le jeu Dina, donc D-I-N-A par SMS au 80-90, donc le 14-05-2019 à 22h37 minutes et 47 secondes. Voilà, donc on a été tiré au sort pour justement jouer, enfin participer, enfin appeler en direct pour le jeu Le Nialo des bonsoirs. Voilà, en direct sur Kayom FM ce soir, tout simplement. D'accord. Voilà. Pas trop déçu quand même? Non. Non, d'accord. Est-ce que tu as des petits messages fait passer en direct à la radio ce soir? La famille Lorraine. Bah bisous et bah tous ceux qui me reconnaissent et voilà. Ok, les bons repas trop même. Allez, on retrouve, ciao, bye bye. Au revoir. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Allez, 19h52 minutes, nous on appelle du côté de Saint-André. On appelle Cindy du côté de Saint-André. Allô, quel dommage, bonsoir. Oui. Mais il est bien sur le portable de Cindy? Oui. Oui. C'est moi-même. Oui, bonsoir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, on est bien? Oui, ça va. Bon. C'est Dani de Tropicana Live Tour Revision, on est bien? Non, mais je vois pas. Oh. Non, j'ai pas joué. Comment? Allô? Oui. Oui, c'est Dani de Tropicana Live Tour Émission. Vous n'êtes pas bien ce soir? Alors Cindy, donc de là en direct à la radio sur Kayom FM ce soir. Et c'était le jeu le Nialo ni bonsoir. D'accord? Malheureusement, la réponse Allo et bonsoir. On passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc pour une pose de vernis semi-permanent chez Ambre Esthétique à Saint-Denis et de places de cinéma. Voilà, tout simplement. D'accord. Oui. On dirait les déçus. Non. Bon, bah les bons là, on ne serait pas déçus quand même. Hein. Mais dérange en haut peut-être. Non, non. Ah, d'accord, on dirait on veut pas causer avec moi. Hein. Non, les timides? Non. Ah bon, bah chante un petit mot, on ne serait pas timide alors. Bon. Attends. Oui. Ah, j'attends. Allô? 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 Oui. Alors nous là en direct, donc il faut pas faire attendre à moi quand même. Bon, est-ce qu'on a des petits messages à passer en direct à la radio ce soir?
Est-ce qu'on a des petits messages pour passer en direct à la radio ce soir? Je suis sur quelle radio là? C'est Kayom FM. 106.9 du côté de Saint-André. D'accord, ok. Pourquoi d'accord, ok? On dirait qu'on connaît la radio. Non. Aïe, aïe, aïe. En plus, c'est la seule radio. Fais-moi un tatouage quelque côté, moi, j'en ai change. Ah bon, est-ce que Cindy a des messages à faire passer? Il est quand même 19h55 minutes, quand même. Un petit coucou à toute la réunion. Ah bon, elle est bon ça. Un petit coucou quand même. Allez, nous retrouve Cindy. Bonne soirée à vous. Ciao, bye bye. Bonne journée, bonne soirée. On dirait ce soir, on n'a pas trop personne, il veut cadeau. Allez, nous prend le dernier appel, enfin nous ça appelle la dernière personne, enfin moi mais ça appelle la dernière personne sur le standard de la radio. Nous appelle Cécilia du côté de Saint-André. Cécilia du côté de Saint-André. Allô? Oui, bonsoir, mais bien sur le portable de Cécilia. C'est quoi? Mais il est bien sur le portable de Cécilia. Oui. Oui, c'est Dali de Tropicana Live Tour Émission, on est bien? C'est quoi? C'est Dani de Tropical Night Live Tour Émission. Oui. Vous voulez bien? Oui. Ah mon si, bien, bien merci. Lol. Alors, on connaît pourquoi on vient pas là-haut ou pas, Cécilia? Non. Non, on veut savoir pourquoi on vient pas là-haut? Oui. Alors, mais il y a une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Par quoi on y commence? N'importe. Ah, au diamant, lesquels il commence? Alors. La mauvaise. Alors, la mauvaise nouvelle, c'était le jeu lunaire. Mais il n'y a plus causé. Le jeu, le ni allô ni bonsoir, d'accord. Donc malheureusement, on va répondre allô et bonsoir, enfin, allô et bonsoir, oui. Et on passe à côté d'un pack cadeau, notamment donc une pose de vernis semi-permanent chez Ambre et Sissika Saint-Denis, plus enfin, deux places de cinéma ce soir, voilà. Allô. D'accord. Voilà. Oui. Vous l'êtes déçu? Un peu. Mais, là, mais il reste quand même une bonne nouvelle. Vous voulez savoir la bonne nouvelle? Oui. Nous l'avons en direct à la radio ce soir sur Kayom FM. Voilà la bonne nouvelle. Tu te demandes en haut. N'importe. On dirait pas trop contente. Bon, c'est Cécilia. Est-ce qu'on a des petits messages pour passer en direct à la radio ce soir? C'est quoi? Est-ce qu'on a des messages à faire passer en direct? Non, pas vraiment. Bon. En tout cas, m'y connaît les déçus. Hein. Oh là là. Bon. Ok, ben les bonnes, on retrouve Cécilia. Bonne soirée à vous. Merci. Allez, ciao, bye bye. Bye. C'était donc le dernier appel sur le standard de la radio. Kayom FM, 106.9 FM. Kayom FM. Kayom FM. L'ambiance était là. Kayom FM. L'ambiance était la même. Sur Kayom FM, il est déjà 19h59 minutes sur ta radio. Alors Nina, quand même, des messages arrivés au 06 92 17 08 62. Alors Nina. En parlant de Nana, justement, donc là, dans un instant, la rubrique Tropical Girl. Ah là là, m'a dit appel à main, personne n'a pas encore gagné. Bah oui, mais si personne n'a pas encore gagné, quand même, c'est bien ça. C'est bien ça. Oh là là. Bah oui. Alors, il faut pas. Il faut pas Reine Marie qui gagne. Hein. Bah oui, Reine Marie est un petit peu gourmande quand même. Hein.
Allez, il est déjà 20h sur Kayom FM. On balance la rubrique Tropical Girl avec Nana Animatrice. Et la suite de la programmation musicale qui arrive dans votre émission Tropical Night Live Tour. Et puis le rendez-vous jeu, ça sera juste après la rubrique. A tout de suite sur Kayom FM. Info sponsor, toute l'actualité des partenaires Tropical Night. Ambre Esthétique Évasion Coiffure vous propose l'amincissement par la photomodulation. Besoin d'un moment de détente, de se libérer du stress de la semaine pour vos épilations, les soins du visage, les modelages du corps, soins des pieds ou des mains. Spécialiste des maquillages de mariée et divers soins esthétiques, Ambre Esthétique Évasion Coiffure vous accueille. Pour plus de renseignements, contactez-nous 0692 72 23 41. 72 23 41. La résidence hôtelière L'Archipel vous accueille au cœur de son oasis. Avec ses 66 studios et duplex de 1 à 5 personnes équipés de kitchenettes. Avec une piscine de 350 m2, venez profiter des formules journée détente, en famille ou entre amis. C'est aussi un brunch, un dimanche sur deux. Soirée karaoké, cours d'aquapalme, animation enfant pendant les vacances et plein d'autres surprises. Pour toute demande, un seul numéro, le 02 62 24 05 34. 02 62 24 05 34. Les bijoux de Perla, c'est des colliers, sautoirs, bracelets, des boucles d'oreilles, des bijoux de dos faits sur mesure et pour toutes vos occasions. Contactez-nous au 06 92 71 31 64. 71 31 64. Retrouvez les bijoux de Perla également sur Facebook. Votre espace beauté DS Niagara vous propose épilation, soins du corps, soins des ongles, extension de cils et maquillage. N'hésitez pas, avec ses forfaits jambes entières, aisselles et maillots classiques, à 42,50€ seulement. Pour toute information, 06 92 411 015. 06 92 411 015. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre. Salut les girls, j'espère que vous êtes en forme. Et oui, et moi aujourd'hui, moi elle est très en forme. Pourquoi? Je sais pas, mais en tout cas, moi, on est très très en forme et c'est toujours un réel plaisir de retrouver Azote chaque fois dans notre petite rubrique Tropical Girl. Et oui, l'émission 100% forme où ça nous donne des conseils, des astuces, des informations, mais aussi des potins, des actus, etc. En tout cas, ce soir, c'est une émission So British. Et oui, aujourd'hui, je vais faire une émission So British. British, mon Dieu, vous allez comprendre pourquoi. Avant de commencer à parler de la rubrique, donner les actus, etc. Bah bien sûr, hein, comme je vous dis chaque semaine, je suis comme Mère Noël et je vous fais gagner des cadeaux. D'abord, les cadeaux par SMS. Et oui, il faut jouer par SMS avec nos différents partenaires. Floria Coiffure. Si vous voulez gagner un forfait relooking coiffure d'une valeur de 100€ ou un forfait 4 shampoings, soins et brushing, il faut envoyer le mot Floria, F-L-O-R-I-A, au 80-90 par SMS. Si vous voulez vous détendre avec des nuits pour deux personnes avec petit déjeuner, cocktail de bienvenue et accès au jacuzzi, c'est avec le Lodge d'Eden. Pour cela, envoyez le mot Tropic, T-R-O-P-P-P-I-C, au 80-90 par SMS. Et enfin, si vous voulez vous détendre avec le Jardin Spa, envoyez le mot SPA, SPA, au 80-90 par SMS pour gagner soit un massage relaxant ou soit un escale spa incluant 15 minutes de sauna, 25 minutes de jacuzzi et l'accès à la piscine. Donc on fait gagner des cadeaux par SMS. C'est quoi l'énigme du jour? Je sais pas. Tu connais pas Dani? Non, je sais pas. Alors j'en ai plusieurs. Je sais pas le quoi poser. Bon allez, je me décide. Il faudra trouver le nom d'un objet. Un objet qu'on utilise quotidiennement. Enfin, un objet qu'on utilise souvent. Peut-être pas quotidiennement quand même. Donc, l'énigme est la suivante. M'y avale par la tête, m'y rende par le bras. Les simples. Alors ça, c'est une énigme quand même que j'ai déjà entendue. Et Créole y trouve ça. M'y avale par la tête et m'y rende par le bras. Quel est cet objet? C'est un objet que vous avez quasiment tous chez vous. Alors là, un indice comme ça, je sais pas, je peux pas faire mieux. Hein. Donc, m'y avale par la tête et m'y rende par le bras. Donc, si vous avez la réponse et le nom de cet objet, vous nous appelez
de suite au 06 93 81 64 73. Ah, il y a mon petit manager qui est venu avec moi, ouais, et qui a donné une proposition. Mmh. Tu as dit quoi? Ah, lui, il a donné, c'est une balle. Est-ce que c'est la bonne réponse? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, même un garçon de 6 ans a essayé de trouver l'énigme. Donc si vous aussi, bah, je sais pas, vous voulez tenter, hein, même si vous savez pas, on sait jamais, hein, des fois il y a le pif, hein, qui fonctionne. Parce que je me rappelle, il y a une semaine ou deux, j'ai une auditrice qui avait appelé, qui avait dit la réponse au pif, et il s'avère que c'était la bonne réponse. Donc du coup, si vous aussi, vous l'avez cette réponse, m'y avale par la tête et m'y rende par le bras, quel est cet objet? C'est un objet que vous avez quasiment tous chez vous. Donc vous nous appelez au 06 93 81 64 73. Donc je disais tout à l'heure que c'était une émission So British. Alors d'après vous, de quoi je vais parler? D'après toi, c'est So British, je vais parler de quoi, Dani? So British? Yes. Britannique. Ouais, britannique, les gens qui habitent en Angleterre. Et ben, je vais vous parler de la famille la plus populaire en Angleterre. D'après toi, c'est quelle famille? La plus populaire en Angleterre. Je sais pas. Ben, la famille royale. Ah. Je vais vous parler de la famille royale. J'en avais déjà un petit peu parlé sur certaines rubriques. Mais là, je vais vous parler d'un événement. Avant de vous parler de l'événement, j'ai quelqu'un qui appelle. On va quand même prendre l'appel avant. Oh, allez. Allez, avant de vous parler. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, on est avec? Oui, avec Jean-Hugues. Jean-Hugues? Oui, c'est Jean-Hugues. Jean-Hugues qui nous appelle de quelle ville? Du port. Du port. Alors, comment il est le port? On a passé un bon week-end? Oui, on a passé un bon week-end, tranquille. Ah, on a passé un petit week-end tranquille alors. Oui, voilà, comme d'habitude. Comme d'habitude. Ah bon, il n'est pas plus mal, hein, on connaît un petit week-end tranquille, avec la famille. Il apprécie, oui, comme il dit. Des enfants et tout. Hein. Voilà, c'est ça. Alors, Jean-Hugues, mais oui, redonne à où l'énigme et on verra si on a la bonne réponse. D'accord? Essaye. M'y avale par la tête, m'y rend par le bras. Quel est cet objet? On me dit l'objet, c'est peut-être un arrosoir. Alors, est-ce que vous êtes sûr de votre réponse? On espère. Ou espère. Tu valides cette réponse, Jean-Hugues? Oui, mais valide aliment. Alors, et si je te dis que c'est gagné? C'est bien l'arrosoir, Jean-Hugues. Ôté, ben, le port est enfoncé. Na, dernièrement, là, une dame du port l'avait gagné, et maintenant, c'est un monsieur du port. Oui, voilà. Ben, ah, ben, t'es... Comme il dit, le port, ça même. Voilà, j'ai toujours été comme ça même. Ôté, ben, bravo, Jean-Hugues. Bravo, effectivement. Donc c'était mi aval par la tête, mi ronde par le bras, c'est l'arrosoir. Alors Dani, oui. Dis-moi un petit coup. En plus c'est un monsieur l'a gagné. Mais espère pour que oui, c'est oui, un cadeau que madame peut profiter, parce que moi c'est une émission 100% forme, moi. Bon, allez, une pause de Benny se met bien maintenant. Ah ben je sais pas, à où choisir le cadeau off monsieur. Bah les silly off sont madame, pourquoi pas. Ah ben m'y connaît pas, il peut profiter aussi. Donc ah, quel oui, cadeau ou veut off Ali alors? Allez, choisis entre 1 et 2. Même pour madame, pour moi, dérange pas moi. Ah bon, allez, là nous donne le choix. Donc faut choisir entre le numéro 1 et le numéro 2. Quel cadeau choisis? Le cadeau 1 ou le cadeau 2? Bah moi monsieur, j'ai toujours le même. Toujours le 1? Alors, qu'est-ce que monsieur a gagné en cadeau 1? Une pose de vernis semi-permanent. Ah ben monsieur, enfin, pas où l'a gagné, oui, c'est plus pour de madame. Oui, oui. En plus, la fête des miens, ils viennent. Hein. Voilà. Ben, ça, c'est un beau cadeau pour vous, madame. Une pose de semi-permanent, de vernis semi-permanent. Donc, c'est avec ambre esthétique. Donc, où est le port, n'est pas trop loin, les Sucénies. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites, madame, à soir, ma joue un petit jeu et ma gagne un petit cadeau, rien que pour la fête des miens. Bah oui, bien sûr, oui, oui. Donc vous voulez content du gâteau, Jean-Hugues? Du gâteau, surtout. Oui, du cadeau, pardon, fou, là là. Donc Jean-Hugues, nous gardons de bonnes coordonnées. Nous va recontacter à où un petit peu plus tard. Est-ce qu'on a un petit message à passer avant de nous quitter? Après, ben, bonsoir tout le monde, c'était écoute à moi. Très bien, Jean-Hugues. Eh bien, moi, m'y souhaite à vous aussi de passer un bon fin de week-end, une bonne semaine. Merci de même. Merci. Allez, et continue, écoute à nous. Hein. Bonne continuation. Merci. Bonne continuation. Merci, c'est très gentil. Écoute à vous, ah, super. Super, Jean-Hugues. Bonne soirée.
Allez, pareillement. Merci, au revoir. Ok. Alors, Cisotte aussi veut faire comme Jean-Hugues. Eh ben, nous donne encore cadeau ou pas? Oui, allez, nous donne encore un petit cadeau. Allez, envoyez. Donc, Cisotte aussi, Cisotte, il veut faire comme Jean-Hugues, mais il faut trouver l'énigme. Et là, nous avons une deuxième énigme qui nous vient de Florian. Florian du BCE Savateforme, c'est ça? C'est bien ça? Donc, voilà, la semaine dernière, elle était avec nous. Et Florian l'a dit, madame, moi aussi, mon nana a une énigme. Et bien, justement, m'a récupéré son énigme et m'a dit, la semaine suivante, m'a va poser aux auditeurs et aux auditrices. Donc, la deuxième énigme, excusez-moi, la deuxième énigme du jour, c'est le fleur est en liane. Cette même fleur est de couleur blanche. L'y féconde pas naturellement. Et si vous jouez avec, il peut faire un épice. Qui est-il? Qui est-il? Qui est-il ou est-elle? Je ne sais pas. Ah non, c'est un nom féminin. Qui alors, est-elle? Qui est-elle? Ou qu'est-ce que c'est? On oublie mettre la base de... Ah, on l'a oublié. Allez, m'y recommence. Le fleur est en liane. Cette même fleur, les deux couleurs blanches. L'y féconde pas naturellement. Et si vous jouez avec un petit peu, l'y peut faire un épice. Que ça il est. C'est un nom féminin. C'est quelque chose de très répandu à La Réunion. Très connu. Le caloupilé. Non. Donc, alors, dans l'énigme, Nena a un mot, mais alors là, qui donne un gros indice. Mais répète une dernière fois. Mais bon. Le fleur est en liane. Cette même fleur est de couleur blanche. L'y féconde pas naturellement. Et si on joue avec, il peut faire un épice. Qu'est-ce que c'est? Et nous, Nena, déjà, quelqu'un a fini pour prendre son téléphone pour répondre à la question. Bonsoir. Bonsoir. On est avec Marie. Marie? Oui. Marie qui nous appelle de quelle ville? De Saint-Gilles. Saint-Gilles. Alors, ça va Marie? Oui. Tu as passé un bon week-end? Oui. Ah, tranquille alors. Alors Marie, est-ce que tu penses avoir la réponse? Je pense. Tu penses? Alors, je vais redire une dernière fois l'énigme. Donc, le fleur est en liane. Cette même fleur est de couleur blanche. L'y féconde pas naturellement. Et si vous jouez un peu avec, l'y peut faire un épice. Que ça, il est Marie. La vanille. Alors, qu'est-ce qu'on l'a dit? C'est là? Vanille. La vanille, Marie. Ou les cieux d'autres réponses? Bah, mais non, parce que je compte pas naturellement. Ah, Marie l'a bien écouté que l'indice l'était dans l'énigme. Et Marie, eh ben, il peut dire où que c'est gagné. Bravo, Marie. C'était bien la vanille. Eh oui, parce que c'est une fleur en liane de couleur blanche. Et l'y féconde pas naturellement. C'était ça le gros indice. Mmh. Parce qu'on a toujours parlé de, justement, Edmond Albius qui a découvert ce système de fécondation, on va dire. Et effectivement, il peut être aussi une épice. Mmh. Bravo Marie. Tu es contente? Oui. Et est-ce qu'on veut connaître quel cadeau l'a gagné? Non, oui. Ah non, non, elle a dit allez, non. Elle est bonne, ne dis pas ouais. Alors, Dani, qu'est-ce que Marie l'a gagné? Alors... Bah pareil, hein, je choisis entre... 1 et 2 ? 1 et 2. Alors, tu choisis entre 1 et 2, Marie. Alors, le 1 m'a attendu, vient un vernis en avant. Est-ce que c'est toujours ça ? Je ne sais pas. Je prends le 2. Le numéro 2 ? Alors, qu'est-ce que Marie a gagné en numéro 2 ? 2 places de cinéma. Ah, Marie, vous avez 2 places de cinéma ! C'est quoi ? Mais là-bas même. Alors, j'ai pas compris, Marie. Mais il est abonné au cinéma. Ah, vous l'avez abonné au cinéma? Ah, ben voilà. Vous la regagnez deux places. Et c'est pour le film de son choix. Voilà, en plus, c'est pour le film de votre choix, Marie. Ah, ben oui. Donc, il est cool, non? Bah oui, c'est ça. Ah, ben super. Marie, est-ce que vous avez un petit message? Bah, bonsoir tout le monde.
bonne semaine pour demain. Ah ben merci beaucoup Marie. Bon dimanche également, enfin bonne soirée à toi. Nous va rappeler là-haut un petit peu plus tard pour savoir comment récupérer votre cadeau. Et encore félicitations. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée Marie. Merci. Au revoir. Au revoir. Oh t'es, mais elle est contente. Ah bon, pourquoi? Bon, parce que deux énigmes, deux cadeaux envoyés, t'es. Ah, franchement, mais adore donner des cadeaux comme ça aux gens. En plus, dès le premier appel, il m'aille pas, il gagne direct. Mamie veut bien, moi, comment elle dit, madame et messieurs. Madame et messieurs, ben là, m'apprenne madame et messieurs, moi, là, soir. Mais il y aura la prochaine fois. Bon. Mais justement, ben là, m'étais en train de parler un petit peu de ma rubrique, du coup, pourquoi commencer, donc? Bon, m'a quand même parle de la rubrique. Donc, me disait Azot que aujourd'hui, m'a parle de la famille royale. Et quel événement? Alors, là, bah, personne n'a pu rater ça. Mais quel événement les survenu là-là? Là, n'a même point 2-3 jours, là. Alors là. T'es bien la naissance du Royal Baby. Le Baby Sussex, comme t'es dit. Comment le Baby Sussex du duc et de la duchesse. Sussex. T'es, ça démolle, ça. L'archiduchesse est tellement sèche. Et ben là, non. C'est le duc et la duchesse de Sussex. Et bien, ce petit bébé est né, et oui, après le mariage en grande pompe. Ben, l'année dernière, le 19 mai, c'est quasiment jour pour jour que Harry et Meghan ont présenté devant les objectifs, donc ce mercredi 8 mai, leur petit garçon. Donc, quelques heures après la session de photos, le palais de Buckingham a annoncé que le couple a appelé le bébé Archie Harrison Windsor. Donc la reine Elisabeth II l'a rencontré pour la première fois, on va dire. Et il est devenu, on va dire, son huitième arrière-petit-fils, qui est le septième dans l'ordre de succession au trône. Bon, autant dire qu'il va sûrement jamais régner, mais bon, on ne sait jamais. Les fiers parents sont apparus dans le très impressionnant hall du château de Windsor. Harry en costume gris clair, porté dans ses bras un petit garçon endormi, à peine visible, emmitouflé, dans une couverture blanche et portant un bonnet assorti enfoncé jusqu'aux yeux. Eh oui, en robe blanche et perché sur des talons vertigineux, Meghan a donné ses premières impressions en tant que maman. Elle a dit « C'est magique, incroyable, j'ai à mes côtés les deux plus formidables garçons du monde. Elle est vraiment heureuse », a-t-elle commenté. Donc c'est vrai que, bon, en même temps, en tant que princesse, on va dire que la tâche ne sera pas si difficile que ça. Mais bon, c'est vrai que quand même, hein, c'est une tradition de présenter son bébé. Mais contrairement justement à la traditionnelle tradition, le bébé a été présenté au monde de façon plus intimiste. Puisque seuls deux photographes et deux équipes de télévision, l'une britannique et l'autre américaine, pardon, ont été conviés à venir découvrir leur bébé. Il faut savoir que Meghan est aussi est américaine. Donc du coup, je pense que le choix a été de mise pour cette occasion. Lors de sa présentation au monde, le grand mystère régnait toujours quant aux différents prénoms de bébé. Et c'est vrai que tout le monde a s'amusé à l'appeler Baby Sussex. Quelques heures plus tard, le palais de Buckingham a annoncé dans un bref communiqué que voilà, le prince Harry et son épouse ont donné naissance à un fils qui s'appelle Archie Harrison. Donc c'est vrai que ben, c'est un nom un peu qui sort un peu des codes, moi je trouve. Hein. C'est ça. Et à ce qui paraît, moi je l'ai vu ce matin. Il y avait une genre d'annonce parce que son cousin, alors le fils de l'autre duc et duchesse, une fois devant une personne, enfin je ne sais plus si c'est un journaliste ou autre, c'est une petite anecdote, on lui a demandé son prénom et son cousin n'était pas encore né, l'enfant n'était pas encore né, et il a dit qu'il s'appelait Archie. Ah ouais? Ouais. Archie. Ouais, ouais. J'ai vu ça hier dans une émission et du coup... Je me suis dit, oh ben mince alors, parce qu'il faut dire que tout le monde parle de ça en ce moment. Et c'est vrai que lui aussi, il avait déjà... Enfin, c'était un visionnaire. Hein. Ouais. Pour le coup, c'était un visionnaire. Et voilà, il a dit qu'il s'appelait Archie. Archie, mon nom. Ouais, c'est bizarre. Mais en tout cas, on souhaite quand même félicitations aux heureux parents. Oui. Parce que franchement, c'est un bel événement, non? C'est ça. C'est un super bel événement quand même. Bel événement. Et justement... Qui dit événement, qui dit tout ça, parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, la royauté britannique,
bon, sont un petit peu controversés, pas par rapport à eux, mais par rapport à ce qui se passe, on va dire, dans le royaume, parce que vous le savez tous, l'Angleterre quitte l'Union européenne et c'est le Brexit en ce moment. Et c'est vrai que la venue de cet enfant a redonné un petit peu du baume au cœur et de l'ambiance, on va dire, dans ce pays qui, pour l'instant, on va dire, c'est un peu morose, on va dire, le... Comment dire c'est un peu de tendance morose, on n'est pas bien, on ne sait pas à quoi on va s'attendre après le Brexit. Donc c'est vrai que ça donne un bouffée d'air frais, la venue de ce bébé-là, mais pas seulement pour les Britanniques, mais aussi pour le business de la famille royale. Parce qu'il faut dire qu'au niveau économique, l'arrivée d'un petit bébé, bah, ça fait tourner aussi l'économie auprès des touristes. Donc la famille royale compte quand même beaucoup sur ce nouveau membre, hein, on va dire. Depuis la naissance de l'aîné de ses cousins, George, les visites au sein du domaine royal et les revenus tirés des produits dérivés s'envolent. Et oui, un nouveau venu vient d'arriver dans la famille royale. Les Anglais et le reste du monde se passionnent pour le fils du prince Harry et son épouse Meghan, qui vient vraiment de présenter au public ce mercredi leur nouveau fils. Et comme à chaque grand événement lié à la couronne britannique, les ventes de produits dérivés devraient à nouveau s'emballer, en particulier les produits officiels commercialisés par la Royal Collection Trust, l'organisation qui gère la collection d'œuvres d'art de la famille royale et les bâtiments ouverts au public. La Royal Collection Trust, qui publie chaque année ses résultats, a ainsi enregistré sur la saison 2017-2018 un chiffre d'affaires de 18,795 millions de livres pour les ventes produits dérivés et les photographies de la famille royale, soit près de 22 millions d'euros quand même. Hein. Si ce chiffre est légèrement en baisse par rapport à 2016 et 2017 où les chiffres avaient atteint des records de 19 millions de livres, il progresse quand même régulièrement depuis une décennie. Donc entre 2007 et 2010, les ventes sur ce segment étaient plutôt comprises chaque année entre 8 et 10 millions de livres, comme souligne la BBC. Un impact quand même sur le tourisme, mais qui reste difficilement quantifiable. Il faut y ajouter quand même les billets vendus pour les visites des domaines de la famille royale. La Royal Collection Trust affichait ainsi un chiffre d'affaires global de 62 millions de livres, quand même 77 millions d'euros, en 2017 et 2018. À titre de comparaison, avant l'arrivée du premier-né de la nouvelle génération, le prince George, la Royal Collection Trust affichait 50 millions de livres de chiffre d'affaires sur la saison 2012-2013. Donc on va dire que sur la période, le nombre de tickets d'entrée vendus pour les bâtiments appartenant à la famille royale a bondi, passant de 2,4 à 2,7 millions de billets quand même entre 2012 et 2013, contre 2017 et 2018, soit une progression quand même de 14% en 5 ans. Mais bon, c'est vrai que les retombées économiques liées à la famille royale ne se limitent pas aux revenus de la Royal Collection Trust. La monarchie britannique fascine de nombreuses personnes à travers le monde et renforce indéniablement l'attractivité touristique du pays, ce qui profite à de nombreux commerçants et au secteur économique. Donc voilà, c'est quand même une bonne affaire pour le trésor britannique. La couronne affiche dans son dernier rapport financier 47,4 millions de livres de dépenses pour l'année 2017-2018. Donc cet argent sert à financer le train de vie de la famille royale et les travaux dans le domaine royal. Donc c'est vrai que ça reste quand même indéniable, mais la famille royale récupère en réalité plus d'argent qu'elle n'en dépense par le biais d'un mécanisme très particulier. Donc c'est vrai que le financement de la couronne est en effet assuré par les deniers publics, hein, comme un peu en France, on va dire. Et autrement dit, ce sont des contribuables britanniques qui paient les dépenses de la couronne, comme nous, on paye les dépenses des ministres. Mmh. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà, un peu du président, etc. Donc c'est un peu partout, dans tous les pays, c'est comme ça. Mais bon, après, ça peut être controversé ou pas. Bon, après, c'est un peu comme dans tous les pays, on va dire. Donc on va... Voilà, c'est vrai que quand même... La venue de ce petit Archie a donné quand même du baume au cœur aux Britanniques en plein Brexit actuellement. Voilà. Voilà. Et j'adore encore les énigmes. On peut faire une dernière pour ce soir ? Alors, on va faire une dernière, mais par contre, il faudra répondre rapidement. Bon, ok. Alors, les très faciles. Alors là, j'ai envie de dire ça, un proverbe créole. Et ça, tu dis à moi, que ça veut dire. Bon, ok. Mais les faciles en plus, hein. Donc le monde n'a pas trouvé ça, franchement.
Alors, les gens qui ont déjà joué, par contre, laissez la place. Comme ça, au moins, on fait gagner un petit peu tout le monde. Donc, un truc que Zoti aime, la réunion. Donc, une expression. Mais donne à Zoti l'expression en créole. Il faudra Zoti dire, moi, que ça veut dire. Attendre saucisse frites dans le ventre cochon. Alors, que ça veut dire l'expression attendre saucisse frites dans le ventre cochon. Alors, elle est très facile. Hein. Franchement, m'a pas dire Zoti, diamant français, la phrase. Hein. Mais que ça veut dire. Donc, si Zoti aussi, on a la réponse. 06 93 81 64 73. 06 93 81 64 73. Donc, Miro répète le petit proverbe en créole. Attendre saucisse frites dans le ventre cochon. Cosa il veut dire. Oui, il me dit en créole. Ah. Eh, il me dit pas cochon, cochon. Cochon. Attendre saucisse frites dans le ventre cochon. Que ça veut dire. Que ça, il veut dire. Donc, si ils ont envie de gagner, fais comme Jean-Hugues, fais comme Marie, appelle à nous. Et en plus, c'est facile. Pas pour dire, là, ils donnent un autre cadeau facilement, là, non. Bah oui. T'es attendre saucisse frites dans le ventre cochon. Que ça, il veut dire. Alors, est-ce que Zoti n'a la réponse. Il faut que Zoti appelle à moi. 06 93 81 64 73. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps là, parce que là, la rubrique. Ça fait une boutique. Mais ça fait ma boutique, moi là. Donc Miro répète encore une fois. Deux fois. 06 93 81 64 73. Pour plus difficile que ça, de monde l'appeler. Ah oui, là-haut. L'ami donne le cadeau, moi là. Là-haut, bat le record. L'ami bat le record, moi là. Du père Foura, là, il arrive pas à côté là. Un truc, en plus, les gens, ils disent toujours en ce moment attendre saucisse frites. Dans le ventre cochon. Que ça il veut dire. Sinon oreilles cochon dans ma vie de poids. Oui, mais c'est pas ça mon envie de dire, moi là. Trouve pas les gens. Attendre ceci dans le... En tout cas, Gabi, il est à fond. Hein. Ah, Gabi. Alors depuis tout à l'heure. Voilà. Gabi est à fond. Alors, mon manager là, il est à fond là. Alors mon fils, lui, il essaie de trouver déjà. Hein, ah oui. Qui est avec nous là. Donc, c'est un garçon de 6 ans. Peut essayer de trouver une réponse, ça sera pas vous quand même, ça sera pas vous qui avez pas trouvé la réponse. Allô. Bah et oui. Est-ce que vous connaissez la réponse? Moi, m'y connais pas. M'y connais pas. Ben, à croire que les auditeurs ne connaissent pas la réponse, parce que m'y dit des énigmes plus difficiles que ça, tout le monde y appelle. Ben, tout le monde y appelle, et là. Et là, ils donnent le cadeau. Personne n'y veut. Personne n'y veut. À croire que personne n'y écoute à nous alors. Ben si, on a déjà deux gagnants là depuis le début. Oui, mais il était plus difficile que ça tout ben, à l'heure. Attendre saucisse frites dans le ventre cochon. Ouais, bizarre. Bizarre. 06 93 81 64 73. Ça n'a pas envie de gagner un cadeau. Elle nous remet. Ah bah, bah oui, nous remettent à appelle plus tard. Pas quand ma fille fait une boutique. Hein. Ah. 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 Allez, nous ah. Ça va du côté du standard. Allez, nous ça va. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Nous sommes bonsoir, avec... Oui. Avec Samuel. Samuel. Samuel qui nous appelle de... De Saint-Gilles. Ben Saint-Gilles est en France, l'Ouest. L'Ouest est en France ce soir. Ben oui. Alors, rappelle-moi de prénom, excusez-moi. C'est Samuel. Alors Samuel, où l'a passé un bon week-end? Ah, trop bien, trop tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait un petit peu ce week-end? Dis-moi. On a fait une sortie en famille. Ah, une sortie en famille. Tranquille alors. Ouais. Tranquille et mille. Il y a sa famille à côté moi. Ah, d'accord, ok. Ben super, alors là, on finit tranquille le week-end. On va finir tranquille, on va reprendre la semaine. Et là, on a envie de gagner des cadeaux. Comment? Et là, on a envie de gagner des cadeaux. Ah ben oui. Mais on connaît les papous. Hein? Les papous, le cadeau. Hein? Ah bon, pour qui ça alors? Faut donner à madame, hein, parce qu'on connaît. Là, on est dans une rubrique 100% non, femme. Madame est à côté de moi, là. Elle va être contente. Ah ben oui. Ben, on a intérêt, parce qu'à moi, on connaît. Moi, il accepte que les hommes y jouent à condition qu'ils donnent à madame. Le madame, c'est ce qu'il veut, hein. Mais madame. Ça n'a plus jamais été là, c'est pas grave. Madame. Je connais pas. Si t'as plusieurs madames, choisis le madame que ça tu veux, mais... On n'a rien qu'un. Ah, on n'a rien qu'un. Comme il dit, tu es l'homme d'une seule femme. Voilà, et derrière chaque homme se cache une femme. Ouais. Et derrière Samuel, n'est une petite madame. Il écoute et envie de gagner cadeau. Alors, voilà. Samuel, m'y répète le petit proverbe et à où de dire moi. Et m'a dit, hein, il ne faut pas y dire moi la phrase en français, il faut dire moi que ça veut dire. Donc, attendre saucisse frites... Donne. Alors, t'es m'y connais même plus le.
Ah, ben là, comment vous mettez ça, Marie? Ok, allez. Non, mais troublé, madame, mais troublé. Excusez-moi. Alors, attendre saucisse frites dans le ventre, que sont? Alors, Samuel, que ça veut dire? À moi, je pense que c'est quelqu'un qui dit que je gagne des choses facilement. Il est un peu paresseux, il gagne, il ne travaille pas, mais il gagne des choses facilement. D'accord. Ou les sueurs, c'est ça? À moi, les sueurs, c'est ça même. Bon. Et il veut gagner un cadeau, surtout. Ah, oui. Ah ben, très facilement en plus. Oui, très facilement, parce que, excusez-moi, l'expression était facile. Ah oui, c'était facile. Plus facile que ça, tu meurs. Hein, donc. C'est un peu comme un effet accueilli. Alors, Dani, vous pensez que c'est la bonne réponse? Je sais pas. Mais connais pas, c'est mon envie de donner un cadeau. Il n'est pas convaincant. Pas pour moi, c'est pas pour moi. Et pour madame, comment madame y appelle? Madame m'appelle Karine. Karine. Il a hésité quand alors, même. Attends, là, il a réfléchi. Il a hésité. Eh bien, si vraiment, hein, si vraiment on veut gagner un cadeau, fais une petite déclaration pour Karine avant, après m'a dit aussi les bonnes réponses. Non, Karine, les sûr, Karine. Non, mais d'accord, c'est Karine. Heureusement, on est sûr. Mais fais-moi une petite déclaration pour elle, une petite déclaration d'amour, une petite phrase comme ça. Hein. Attends, ne bouge pas, m'y mettre juste la petite musique. Alors moi, j'aimerais un pour. Pour être sûr que c'est ça la bonne réponse qu'on la donne à moi, pour savoir si j'ai envie de donner le cadeau ou pas, et pour la peine ou la réfléchir, pour dire le prénom Karine, eh ben fais une petite déclaration d'amour à Karine là tout de suite en direct là, et m'a dit juste après sur la galette de cadeau. Non mais en fait, il y a Karine, donc il y a le nom d'Isabelle. Il y a notre prénom qui est Isabelle. D'accord. Donc Isabelle ou Karine, c'est pas Isabelle. Alors, donc du coup, une petite déclaration d'amour ce soir, un petit message. Voilà, Isabelle, toi tu es la femme de ma vie. Oh, t'es trop mignon. C'est joli, hein. Oh, t'es pour la peine, on l'a gagné, les bons. Juste avec ça, on l'a gagné. En tout cas, bravo Samuel, c'était bien ça. Attendre saucisse frites dans votre cochon, ben c'est ça. Hein. C'est attendre que les choses se fassent sans le moindre effort, comme il dit. Et attendre qu'Harry les cuit, comme il dit. Eh ben bravo Samuel. Alors, que ça nous gagne alors? Ah, là, vous gagnez. Là, vous voulez savoir que ça va gagner. Que ça nous donne à l'idée avec un joli déclaration comme ça. Nous avons deux saucisses, oui, t'as c'est. Ouais, un, pour la peine, on a gagné 1 kg saucisse. C'est beau ça, 2 kg saucisse, c'est beau. Les gaillards, mais il dépend que ça l'a fait. Hein. Ah. Non, alors, du coup, franchement, qu'est-ce qu'il a gagné? Allez, il est choisi. Allez, choisis entre 1 et 2. Alors, vous me choisissez entre 1 et 2. Il me prend le 1 alors. Alors le 1. Une pause de Vianney semi-permanent. Ah, et ben Karine Isabelle, parce que je ne connais pas comment il faut appeler elle. Donc du coup, elle a gagné une pause de vernis semi-permanent avec Ambre Esthétique. Oh, ah, en plus, elle aime bien ça. Ah, ben voilà, elle sera contente. Ah, super, félicitations. Cool. Merci beaucoup et merci pour votre émission, les gros gaillards. Ah, super, on a un petit message à passer. Comme ça même. Non, mais merci pour votre radio, ça doit être fait. Et puis, ça, tu reconnais ma voix, ça doit être bonne soirée. Profite bien la fin du week-end. Et pour tous, pour ma femme, pour mon fils et pour mon beau-frère avec moi aussi en week-end, ce week-end-là. Il s'appelle Julien. Ah, ben Isabelle, super. Julien et Dominique. Et d'accord. Ben, gros coucou à tout le monde. Bonne soirée et bonne semaine. Et nous rappelons. Bonne semaine à vous aussi. Et comment Miguel le cadeau là? Eh ben justement, nous va rappeler à vous un petit peu plus tard pour expliquer à vous comment récupérer le cadeau. Et comment ira le ça? Ah mais bon, mais merci. Inquiète pas, nous la marque ou de numéro Samuel. C'est bon alors. Très bien. Pas content pour moi? Non, mais pas aujourd'hui. Dans la semaine prochaine, nous va rappeler à vous, inquiète pas. D'accord, merci. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Ote, ben, franchement, aujourd'hui, super. Hein, ouais, que super. Des cadeaux gagnés au premier appel. Ouais. Super. Bon, même si le dernier, les gens l'ont un peu tâtonné avant d'appeler, c'était le plus facile. Ouais. Et la plus tâtonnée. Mais en tout cas, félicitations à Jean-Hugues, Marie-Ri et Samuel qui remportent des cadeaux ce soir. Franchement, félicitations à Zot. Et si Zot, il veut faire comme Bana, ben, la prochaine fois, on va refaire des énigmes. Oui. Et ça va gagner des cadeaux. Bah oui. Et ben quand même, il clôture quand même la rubrique avec ma petite phrase du jour. Parce que tout le temps, Alors, juste pour rappeler que là, nous va caler un petit peu quand même au niveau des énigmes pour le mois de mai. Nous va revenir à partir du 2 juin. Voilà, ouais. Le temps refait les stocks des cadeaux. Oui, voilà, c'est ça. Là, nous l'a fait gagner quand même 3 semaines à la suite. Donc, on va dire que le mois prochain, nous va faire regagner d'autres
cadeau à d'autres monsieur ou femmes ou monsieur que va aux autres madame. Et voilà. Là, voilà. On a fait à autres plaisir un petit peu. Donc, voilà. Mais il continue quand même les jeux SMS. Oui, hein. Voilà. Ça y arrête pas, ça par contre. Zot, il continue à envoyer à nous les mots-clés par SMS. Donc, il fait quand même ma petite phrase du jour et après, il clôture. Mais laisse ça ou la place dans la maison. Mais bon. À chaque femme correspond un séducteur. Son bonheur, ce n'est pas de le rencontrer. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Gros bisous les girls. Bye bye. Tropical Girl, votre rendez-vous 100% girly, 0% chichi. Des conseils, des astuces et informations avec une nana d'enfer aux commandes. Tropical Girl, plus qu'une rubrique, c'est la vôtre.